Le projet de cette seule maison de retraite de la commune était dans les cartons depuis 6 ans. Le maire est conscient que sa population vieillit. Sur 3000 patroclients, 475 sont des seniors de plus de 70 ans. N'ayant aucune structure d'accueil, ils étaient obligés de se diriger sur d'autres communes. Aujourd'hui, ils peuvent rester dans leur village. On a maintenant des gens qui sont placés dans certains établissements, mais qui souhaitent y revenir dans leur commune. Donc ils savent que revenant sur la commune, ils vont retrouver ce qu'ils ont laissé il y a quelques années. C'est la société rouennaise Audi Senior, spécialisée dans la réalisation de maisons de retraite, qui a entrepris ce chantier. 10 millions d'euros d'investissement pour un bâtiment de près de 5000 m² de surface, de 92 lits, dont 14 dans une unité Alzheimer. Cette société a analysé le schéma gérontologique du département, s'est rendu compte que Saint-Par avait besoin d'une structure d'accueil. Le projet se veut innovant. Nous aurons dans cet établissement 53 salariés en équivalent temps plein, ce qui représentera en gros 65-70 personnes à l'année. Et puis le deuxième point, c'est le projet de vie, le projet de soins, où là on va travailler sur de la domotique avec de la traçabilité, une gestion très juste de la médicalisation et justement cette traçabilité indispensable dans notre métier aujourd'hui. Un coin internet, billard, une grande salle à manger sont prévues. Des animations culturelles rythmeront les semaines. Les seniors de la commune pourront déjeuner au restaurant, participer aux activités. La structure est ouverte à tous. Vous avez les logements seniors qui sont à côté, les 18 pavillons avec qui on a prévu un échange et qui vont pouvoir manger continuellement ici quand ils veulent. Aujourd'hui, la philosophie des maisons de retraite et surtout de celle-ci, c'est d'ouvrir l'établissement aux personnes de la commune. Les résidents devront payer 2100 € par mois. Annie a visité le chantier ce matin. Elle se renseigne pour son père de 80 ans, atteint de la maladie d'Alzheimer. Cette nouvelle maison de retraite semble l'intéresser. Parce que mon père n'est pas très décidé, donc j'ai envie de le mettre dans un endroit où il a envie de se sentir bien. Selon ce directeur, certains maires au bois l'ont déjà contacté pour parler d'un éventuel projet similaire sur leur commune. Celui de Saint-Par-aux-Tertes ouvrira le 11 juillet.